Ok. J'aimerais bien avoir le méga jump. T'as vu, à chaque fois les grottes elles sont pas forcément marquées clean, ça veut dire qu'il reste des trucs dedans à explorer? Je sais pas. Merde, c'était pas ça que je voulais. Ok, une petite grotte ici. Ok. Ok, note à moi-même, la prochaine fois je saute. Surtout qu'en plus j'ai sauté là, je sais pas pourquoi j'ai... Oh, il était chaud celui-là, là. Et encore, je crois que j'ai oublié un truc, hein. Sûr d'avoir pas tout pris. Putain, mais je excusez-moi. Hein. Ah oui, besoin d'eau. C'est nouveau d'ailleurs ça, le fait que les... Ok. On va dropper un truc qui vaut cher. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de procédural sur ce jeu, contrairement à l'ancien, où bah, il y en avait. Vous voyez en plus le fait que bah, la flotte recharge automatiquement, ce genre de mécanique, ça montre vraiment que...
Pourquoi j'ai arrêté de taper? Ouais, je suis en train de faire de la merde. Pas le fait que ces fils de pute Ouais, mais je peux pas tenter là, je vais mourir en fait. Bon, attendez. Vous savez quoi, on va. C'est quoi cette hideuse créature? C'est un soifard, fais un silence, on doit surtout pas le réveiller. Hein? C'est où que tu crois aller comme ça? Berg, détruis cette chose immédiatement. Un autre tremblement. Des renforts, occupe-toi en avant qu'il se multiplie. Encore un tremblement et un robot sacrément violent. Reste sur tes gardes, Swan. Tu peux parler? Pourquoi ne pourrais-je pas parler? As-tu seulement essayé de parler avec l'un de nous auparavant, petit robot? Tu as raison, je suis désolé, je ne cherche pas la bagarre, je suis à la recherche d'un ami qui a disparu. Est-ce que ton ami est cuivré et ressemble un peu à une tortue? Oui, c'est lui. Est-ce que tu sais où il est? C'est probablement une mauvaise idée de laisser un Vabot entrer, mais tu sembles sincère. Je suis Rosie, viens. Nous allons parler à l'intérieur, je vais te dire tout ce que je sais. Je ne savais jamais compter de savoir capable de parler auparavant. D'habitude, ils sont juste aussi détraqués que dangereux. Oui, c'est vraiment plus que c'était. Je vais parler à cette Rosie. Elle sait peut-être où est Rusty. Attendez. Avant tout ça... On va stepper. Passons aux choses sérieuses. Et j'ai envie de... Ah, c'est 200 la pioche, hein. On va peut-être écho pour la pioche. Ok. Ça, c'est bien, ça. Ça, je vais prendre ça, parce que le nombre de fois que je me prends des dégâts bêtement... Ok, on va juste se TP là, c'est stratégique parce qu'en fait j'ai zappé des trucs et comme ça je peux aller les récupérer. Il y a quand même un système d'XP qui a l'air d'être assez important. C'est juste ça que je voulais récupérer, les minerais, là. Oh non. Oh non. Ah non, attends, je peux faire ça. What? Oula, ça a l'air d'être dangereux, ça. On va éviter de les contrarier.
Ouais, c'est... En fait, je voulais looter les... tous les petits minerais là que j'avais. J'avais zappé. Ah, j'ai plus d'eau. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai pas d'échelle. J'étais en train d'y penser, mais... Oh, cet endroit est fantastique. Merci, j'ai construit cette oasis pour regrouper les miens, pour les protéger. Du moment que j'arrive à en faire en sorte qu'ils restent calmes, ils restent à l'intérieur loin des dangers. Du moins, c'était comme ça avant que ton ami provoque ces tremblements. Rusty ne fera jamais une chose pareille, il a risqué sa vie pour nous sauver de Vectron. Est-ce que tu le connais vraiment? Peut-être qu'il a changé après avoir frotté ce monstre. C'est l'effet de Vectron, il change les gens. Il est venu ici, il m'a dit qu'il fallait faire s'effondrer la mine sur nous. Nous avons à peine réussi à le repousser. Je suis désolé, si seulement je pouvais le retrouver, parler avec lui. Tu es loyal, je peux comprendre ça, mais si tu le trouves la source de ces tremblements, tu comprendras par toi-même. Tu pourrais nous aider à stopper ces tremblements, en échange je vais t'aider dans tes recherches. Entre de la station de minage que j'utilise comme réserve. Et il a une vieille machine à outils qui devrait toujours fonctionner. Elle devrait être utile. Ok. Je fais comment? J'essaye de réfléchir. Ah putain, je savais pas. On peut passer à travers. Ok. Donc là, on a le super jump. Si, je bosse d'ici 1 heure actuellement. En fait, je pars dans. Même plus tôt, en fait. Je pars dans moins de 3 quarts d'heure. En gros, pour 15 heures, quoi. Faut que je déco. Utiliser le tir grappin. Oh, c'est encore mieux. Incroyable. Comment on fait? Oh nice. Alter ajouté à ta collection. Oh non, par contre, gros, c'est beaucoup trop bien. Je vous annonce que c'est le meilleur truc. Tu as trouvé ce que tu voulais, j'en suis content, tu as l'air au point. J'ai besoin que tu trouves l'origine de ce tremblement et que tu les stoppes. Aide-moi à garder les miens en sécurité, j'ai plus en plus de mal à me les faire entendre. Je ne sais rien de plus sur ces tremblements, tu devrais interroger un intellobot à la surface. Peut-être que je pourrais enfin savoir où est Rusty.
10 nouvelles archivages en pièces. Avec ça, tu pourras améliorer tes outils. Qu'est-ce que tu veux savoir? Oh, c'est pas mal ça. Après, il me faut des. Après, je peux peut-être en acheter à l'autre. Attendez, lui, il va me donner un truc déjà. Attendez, tu as déjà trouvé 3 artefacts. Fascinant. Pour te montrer ma reconnaissance, voici un plan de ma collection. Je te donnerai un plan si tu me montres ces artefacts en tout. Ok. Incroyable, je crois que la station d'explorateur a été détruite. Tu as trouvé le vieux tir grappin. Avec ça, tu peux te déplacer dans la mine comme jamais. Tu vas pouvoir explorer partout maintenant. Ces mines sont pleines de secrets à découvrir. Attendez, parce que l'autre il m'a donné une amélioration, mais ça marche sur quoi? Ah, c'est là. Casser des cases ayant les ressources provoque des dégâts aux cases adjacentes. C'est pas mal ça. Après, si on a assez. Attendez, on va aller voir l'autre vieux. À 50. Ah ouais, non. Ok. Je peux pas me permettre, j'ai pas de thunes. Professeur, pensez-vous que les robots soient à l'origine des tremblements de terre? Tu veux savoir si quelqu'un provoque les tremblements de terre? Cela pourrait expliquer l'épicentre insolite des dernières secousses. Je l'ai localisé à l'emplacement du temple de la secte des Mantes. C'est donc possible. Pour traverser cette hypothèse, tu dois traverser les plaines venteuses et atteindre le temple à l'est pour mener l'enquête. Logique. Dans la logique, on doit passer par là. Hâte d'avoir l'amélioration quand même qui me permet de checker et voir tous les items en fait. C'est vrai qu'on n'a pas de système d'échelle dans ce jeu-là, j'étais en train de me dire, c'est vrai que c'est pas cool. Après, comme le jeu est là à dire, bon bah, il y a des TP un peu partout, t'as juste à t'enfoncer un peu plus profond pour récolter les minerais que t'aurais potentiellement zappé. Oh les bâtards! Ok, je suis allé en full vénère parce que j'avais peur que... Putain, j'ai merdé. Ah merde, attendez.
J'ai eu peur! Excusez-moi, j'ai eu un appel perso. Waouh, regarde un peu cette zone de crash, si ce n'est pas une glorieuse destruction. J'espère que Prof Sherman va apporter quelques améliorations majeures au nouveau modèle. Ah oui, bonne idée, comme ajouter des lasers ou ce genre de truc. Est-ce qu'on en parle que je vais potentiellement mourir? Ok. Est-ce que j'ai le seum? Ouais. Parce que je pensais qu'il y avait un truc caché en haut et je me suis dit je vais essayer d'aller voir et... Que nenni. Ok, le grappin en fait est super utile. Parce que mon perso ne s'accroche pas sans avoir le grappin. Petit désert en tout cas, hein. Je sais pas si c'est vraiment comme ça que je dois réussir à faire, mais bon, on fait comme ça, hein. Par contre, là, amélioration.
Ouais, c'est là, pardon. Moi, j'aimerais bien prendre ça, hein. C'est vrai qu'il y a les dégâts de chute aussi. Bon, attends, on va prendre ça, on prendra ça, et après on prendra les dégâts de chute. Vous savez quoi? On va faire ça dans l'ordre. Je pense qu'on peut tout prendre et être full overboosted. Au début, je me disais on pourra pas tout prendre, mais en fait, après coup, je me dis qu'on peut tout prendre. Excusez-moi, un peu la gerbe. Je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien. Merde, putain. Le quoi de Schrödinger? Ok. Au moins on a trouvé le petit secret. Mais je pense vraiment pas que la map soit procédurale, contrairement en fait à la map de base du premier. En fait, le procédural pour moi est pas forcément bon. Je pense vraiment. En fait, d'ailleurs, je me demande si le premier était en procédural. Je pense que c'est le cas. Qu'il était vraiment procédural par rapport à cette map où je pense qu'elle l'est vraiment pas, mais parce que le premier on voyait des trucs qui étaient un peu tu voyais que c'était du procédural dans l'idée, qu'il y avait des trucs en mode bah ça c'est là et ça doit être là, mais le reste c'est procédural quoi. Oh grand destructeur, la fin est proche. Hein, mais qu'est-ce que cette statue de Rusty devant laquelle tu prosternes? Rusty le magnifique et le destructeur qui a été promis. Cela a été prédit par notre grand prophète, il a vu l'arrivée de la fin divine. Tout est bon à vénérer dans vos têtes, n'est-ce pas? Oh, lumière à suivre, cette créature impie t'a pris dans le temple de la rotation. Je vais sacrifier ses pièces dans le feu purificateur. What the fuck? La porte ne bouge pas, ce levier est inutile. Peut-être que je dois alimenter d'une manière ou d'une autre. Ok. Alors le truc c'est que j'ai pris tellement de coups que j'ai un petit peu peur là. J'ai pris quand même deux fois full life. Full cœur. Ces cultistes sont tous fous. Oui c'est clair. Ça me manque de m'en prendre à eux. Mais on peut y retourner pour en trouver un ou deux. Je dois trouver leur prophète. Il sait peut-être où est Rusty. Ça fait quoi ça? Ta mère? Frère, ta mère? Ouais, je veux des améliorations. On va s'acheter un nouveau cœur. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible, je prends trop cher. Même pas ce que c'est comme merde, genre ça m'a pété instant.
En fait, j'ai l'impression que ça pète, c'est un peu bizarre. Ok. Bah putain, je pense qu'il y a moyen de se mettre bien parce qu'il y a beaucoup de ressources. Je me tâte même à faire un truc. Valeur, une fois que tu as trouvé tout le contenu d'une cave, ça devrait être marqué sur ta carte. Comme ça, tu ne creuseras pas pour rien, ma petite. Ah, mais ça, j'avais compris ça. On va acheter. Ah, faudrait que j'augmente la classe de réservoir en vrai. J'y ai pas pensé, mais ça pourrait être utile. Ok, on a une petite grotte à visiter ici. Alors il y a de la lave en bas. Ah, j'ai compris. Putain de ta mère. Viens. Tu m'auras pas le jeu, il y a un truc de planqué 100%. Ah, vous avez vu là? Ah, j'ai cru. Si, c'est ça, il y a un truc de planqué. Attendez. Ah, je suis trop fort. Non, en vrai, ça se voyait sur la carte. Dents de requin Ginzu. Ok. Oula. Attends, faire ça comme ça.
Et j'ai pas assez de... Ok. J'ai ma collègue qui m'appelle. Ouais, je reçois des appels toutes les 3 secondes. Laissez-moi. Bonjour, cher ami. Quelle vue fantastique nous avons ici, n'est-ce pas? Votre mère est un sacré vénard. Que vous tenez dans les mains, c'est une bombe? Enfin, quelqu'un pour faire sauter ce bâtiment affreux? Oui, je veux dire non. Je voulais montrer au maire Juncker mon nouveau modèle de bombe à pression. C'est tellement dont cette ville a besoin. Mais il fait signe de partir et m'a dit de la porter à son bureau seulement. Il n'y a personne ici. Enfin, ça ne me dérange pas de patienter, je suis sûr que le maire sera bientôt de retour, sans doute, peut-être plus tard, j'imagine. Je ne peux pas t'aider au sujet de tes livraisons pour l'instant, camarade. Toutes nos courriers sont occupés pour le moment, les pauvres. Il n'y a rien de pire pour claustrophobe que se retrouver dans cette grande plaine, c'est juste une étendue de rien. Je me sens oppressé rien que d'y penser. Qu'est-ce qu'il advient de ton petit magasin maintenant que tu creuses un peu partout? Oh, tout va bien, Tumulton. Il y a plein de bots qui souhaiteraient reprendre les affaires. J'ai toujours voulu travailler la mine, mais papa disait que c'était trop dangereux. Bien, j'espère que tu es heureuse en faisant ce qu'il te plaît. J'imagine que tu as besoin de méga dopeurs. Ok. C'est vrai que là. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ça sert à rien. Ça pourrait être bien. Mais on va prendre ça, je pense. Les dégâts de chute sont trop importants. Donc on va prendre les dégâts de chute pour l'instant. On est plutôt bien en méga dopper. Parce qu'on a, on a tout amélioré. Faut que je fasse gaffe à quand je dois arrêter. Parce que... Bah que je me retrouve pas... Ok, on a un de plus. J'ai forcé ce que je savais que j'allais level up. C'est passé. Je sais pas si je désactive le truc qui me fait creuser plus parce qu'en vrai c'est vraiment pas cool. Tu vois, genre ça me fait des trous comme ça, c'est un peu chiant. Mais en même temps ça peut être super cool parce que ça me met plutôt bien sur d'autres aspects. Donc je suis un peu mitigé. Je suis entre le c'est de la merde et le en vrai c'est cool. Ah c'est marrant ça, je pensais pas que c'était possible.
Donc je prends beaucoup beaucoup de minerais parce que je me dis si j'arrive à un moment je vais pouvoir tout revendre, je me mets trop bien quoi. Bon pour l'instant on voit qu'on doit aller par là. Non. Ça me fume parce que je peux vraiment en abuser de ça et c'est vraiment trop bien. Le grappin, c'est vraiment genre, franchement, c'est trop bien. Oh merde. Je suis fou là. Attendez, on va aller se prendre le point de TP. De 150 gold en un coup, c'est 254. Ça met trop bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre en vrai? Pour être bien. En vrai, je me prendrais bien le sac à dos. Hein. Parce que plus j'ai un sac grand, plus j'ai moins d'aller-retour à refaire. Après, il y a toujours le problème du. Potentiellement, bah, ça veut dire aussi que je dois faire beaucoup plus gaffe. Ça c'est trop bien ça. Vraiment. Oh! C'était pas le but. Attendez, on va juste remonter. Comme ça sauvegarde. Ok, on va. Ah ok d'accord. Je comprends pas, c'est pour reset. Oh, je crois que ça va être chiant. Oh ça va être chiant. Ah! Mon perso il glisse trop. En fait, il y a un air control sur ce jeu. Oh ouais.
Attendez, faut que je comprenne. Faut qu'on prenne. Ok. Ah ouais, ok. J'ai appuyé, ça a appuyé. Ok. 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 Attendez, comment je peux faire pour péter le truc? Oh, je vois pas. Ok. Théoriquement, j'en ai pas touché un seul, hein. Yes. Ce que je disais, j'en ai pas touché un seul. Si la porte reste fermée, c'est que l'œuvre n'a pas été votre ami. Aucun contact, sort et rentre à nouveau. Attends, je comprends pas. Que la lave n'a pas été votre amie. C'est-à-dire qu'il faut pas toucher un seul bouton. Enfin, c'est trop dur par contre. Ah, pff. Vas-y. Oh la vache, c'est tellement dur. En fait, le plus dur à chaque fois, c'est le début. Bah ouais, il s'accroche pas, le fils de pute. Mais putain! Pourquoi il part en haut à droite, mon grappin? Tu sais quoi, c'est pas grave. Non, j'ai pas récupéré. Ok, j'en ai trois. Putain, c'est con parce que cette grotte va falloir que j'y retourne si je veux le 100% entre guillemets. À mon avis, il faut aller à gauche. Hein. Ah, tu vois là, regarde. À mon avis, je peux aller à gauche par là, en fait, et descendre comme ça. Après, c'est bizarre d'avoir le prophète là, juste à côté de la base là. Non, je peux pas aller par là. Ah non, c'est fermé. D'ailleurs, j'avais raison sur ce que j'avais dit en fait, hein. Les soifards, c'est des humains. Ah, un nouveau truc.
permet de retourner à El Macho immédiatement sans perdre de ressources. Active ses capacités depuis le menu système. Désactiver dans les caves ou lorsque tu es en danger. C'est broken. C'est complètement broken. Je le prends totalement. En gros, là, ça voudrait dire... Attends. Attends, mais il y avait un truc en fait ici. Ah, ça fait péter les... Oh, c'est intéressant ça. Il est 15h en vrai, hein. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Alors. Je vais aller vendre ce que j'ai juste looté. J'arrive pratiquement assez pour... Oh, c'est le seum, hein. J'ai failli avoir assez. Pour les 300, pour avoir la pioche améliorée. Bon, on améliorera la pioche après. En vrai, je trouve que la différence entre le 1 et le 2 est cool. Mais... Bon, le 2 est clairement mieux. Mais, tu vois, genre, c'est vrai que c'est pas les jeux qui évoluent vraiment de ouf, quoi. On va voir après. Mais le grappin est trop cool. Ça apporte vraiment un truc trop bien qu'il n'y avait pas dans le 1. Allez, des bisous.